sommes à quelques secondes du départ du marathon d'Ottawa. Plus de 5000 coureurs vont participer. On aperçoit l'élite qui est en train de se placer sur cette fameuse ligne de départ. La consigne aujourd'hui, c'est l'extrême prudence à cause de la chaleur. Surtout pour les coureurs qui vont courir au-delà de 3h, 4h et 5h. La consigne, c'est l'extrême prudence et ça va être excessivement important. C'est quoi la stratégie là, pour cette course? Ben là, on va essayer de ne pas partir trop vite, effectivement, à cause de la chaleur, là, de garder un pace raisonnable. Puis à la fin, si on a de l'énergie, ben, on va essayer de poursuivre en force. Boire beaucoup d'eau à chaque borne d'eau, boire. Part de ça, s'envider sur la tête, envider sur soi. Vraiment prendre le temps de prendre l'eau qui est offerte et puis les stations d'eau là, tout le long, un peu plus que d'habitude. De maintenir le même pace tout le long de la course et espérant que la chaleur soit pas trop forte. Puis on se croise les doigts en espérant qu'on se fasse pas mal puis que tout aille bien, mais je pense que je devrais être capable de tenir un pace égal. Non, pas du tout. Là, j'ai révisé mes objectifs. Ça va être une course d'entraînement. Donc, je vais y aller mollo puis voir si ça va bien. J'imagine que c'est comme on commence de retour en Floride, donc oui. Bien, nervosité, c'est sûr, comme d'habitude. Là. C'est adrénaline, nervosité. Ben, partir un petit peu moins vite, puis après ça, ben, on va voir au 11e kilomètre comment ça va. Ça va bien, ben, on va ouvrir un peu plus, sinon ben, on va continuer comme ça. Pas de stress. C'est le fun, faut l'apprécier, c'est tout. Sans être trop précis parce qu'il fait chaud, mais en fait, on se dit en bas, ben, en tout cas pour moi, en bas d'une heure 40, je vais être bien content. Puis très, très, très content vers 1h35. On va suivre le guide, là. Le lapin. Le rabbit. Yeah, the pace bunny. Je suis un peu nerveuse parce que la température, elle risque d'être un petit peu chaude et humide, mais l'atmosphère ici, c'est incroyable. Ça fait 8 ans que je fais la course et puis c'est une atmosphère. Le support est incroyable. Les foules sont toujours là pour nous et puis c'est une journée qui est fantastique. Y aller dans le plaisir, tout simplement, puis courir à mon rythme. Des gros papillons dans l'estomac! Ouais, plein de papillons, je suis très excité, j'ai hâte de commencer, là. La chaleur, y a-t-il une stratégie aujourd'hui? On y va comme on peut, mais on va le finir! Ouais! Bravo! Merci. Bonne journée! Allez, on fait du bruit, Ottawa, notre gagnant qui s'en vient dans quelques instants pour tenir cette bannière ici au finish line, Scott Parks de Tamarack et ainsi que M. Frank Bilodeau de Scotia Bank qui vont... Quand même, malgré la température, les petites blessures dans l'ensemble, c'était super bien. Là. Puis l'ambiance sur le parcours, c'était bien. Le dernier kilomètre, comme toujours, la foule, vraiment encourageant, ça finit bien. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu, puis j'ai ralenti. Puis c'est quand même bon là, pour moi, parce que je performe pas bien à la chaleur. Mais je suis vraiment contente, parce que c'est un très bon entraînement, puis l'ambiance est vraiment écœurante. Là. L'ambiance est incroyable, les gens nous ont arrosés tout le long du parcours, c'était super le fun. Oui. Vraiment. Vous atteint vos objectifs? Ben non, pas tout à fait, mais très contente pareil. Elle vient de loin, elle vient de Victoria pour venir courir, c'est une amie d'enfance. Moi, j'ai atteint mon objectif, je suis super contente malgré la chaleur. Les Mr. Freeze, chapeau à la population qui nous a apporté ça. Oui, c'était mon premier demi-marathon à Ottawa. J'ai vraiment adoré l'expérience. C'était une ambiance extraordinaire, très bien organisée. Alors, c'est à refaire. Puis, c'est la première fois qu'on fait le demi à Ottawa. On en a déjà fait d'autres ailleurs. Puis l'organisation est vraiment super, vraiment une belle expérience du début à la fin. Un beau parcours. Ça a super bien été. Super beau parcours, vraiment bien organisé, du monde tout le long, des super bons supporters. C'était vraiment génial. La stratégie de course, est-ce qu'elle a été à point? J'avais révisé, pas de meilleur temps aujourd'hui à cause de la chaleur prévue. Exact. Bravo pour avoir devancé le départ. C'était une excellente idée. Puis c'est la première fois que je faisais le demi ici. C'est le plus beau demi que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est magnifique. On va conclure ce fameux marathon par un vrai marathonnier. C'est Albin Surprenant qui vient de compléter le marathon dans des conditions chaudes en 2h28. 3h28, c'est vrai. Hey, tes premiers commentaires, Albin. Ah, c'était une belle course. C'était dur, mais on l'a fait. Puis je suis content. Là, ça va être un petit peu de repos, puis on va recommencer à s'entraîner parce qu'on a encore à gagner. Mais j'adore courir, fait que ça va bien aller. Je sais que tu as couru le marathon de Boston en avril dernier à la chaleur. Lequel qui a été le plus difficile?
pense ici à Ottawa. À Boston, c'était chaud, mais il y avait plus de vent, plus de côte. Ici, c'est de moins de côte, mais c'était plus chaud, moins de vent. Fait que je pense qu'ici, c'était un petit peu plus dur. Surtout la deuxième demi, là, c'était vraiment dur. On prenait le soleil, là, c'était off. Ça prenait du courage. J'imagine que tu n'as pas raté aucun poste d'eau aujourd'hui. La première moitié, je buvais aux deux postes d'eau. La deuxième moitié, je courais après un verre d'eau. Puis je m'arrosais parce que... Merci aux bénévoles parce que ça faisait une belle joie, mais maudit, l'eau faisait du bien. Je sais que tu vas faire d'autres marathons. Lesquels que tu prévois cette année? Je suis inscrit au marathon de Montréal en septembre, puis au marathon de Philadelphie au mois de novembre. En Philadelphie, j'espère faire 3-15. Bon, bien, c'est quand même des objectifs assez élevés. Oui, mais je sais que je suis capable, mais si je cours comme il faut, là, à Philadelphie, c'est un circuit rapide, fait que je devrais être capable. On va l'essayer, en tout cas. Mais écoute, je vais te souhaiter un bon repos, là, parce que 4 marathons dans une année, c'est quand même beaucoup d'énergie. Quand est-ce que tu prévois prendre ton repos annuel? Je vais essayer d'en prendre un bientôt, là. Ouais, à l'été, le mois de juillet, il n'y a pas de course, je vais prendre un petit 2 semaines de repos. Parfait. Ben, merci, Albin, puis félicitations pour ce marathon. Merci à toi. Salut. Salut, mon ami.